Bonjour, bonsoir, bienvenue tout le monde, vous êtes sur Eva Sound Studio, ici Jake, bienvenue pour du sport et du jeu vidéo, c'est Ring Fit Adventure, c'est la quatrième session si je ne me trompe pas, c'est encore une fois, ça va être le DC, la sueur, la transpiration, mais ça va faire du bien au corps et un peu à l'esprit, j'espère. Après tout, il faut bien arriver à prendre soin de soi et c'est une manière très ludique de se faire plaisir et de prendre vraiment soin de son corps, et vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment chouette. Après, comme tout exercice physique, il faut réussir à garder la motivation et un rythme dessus. Et ça, c'est pas le plus facile. Mais de mon avis personnel, je préfère pour l'instant faire du Ring Fit Adventure plutôt que d'aller à la salle. Et j'avoue que je pense que je vais rester comme ça pendant un certain temps. Bien. Alors, on est sur Ring Fit Adventure, du coup, première chose à faire, comme à chaque fois, tester la force du jour. Hop là, attention, c'est parti. Ah, c'est un peu mieux que la dernière fois. Tenez le ring code, oui, bon, ça on le sait, c'est les infos sur la santé, on le sait. Faites de votre mieux, mais en gros, si on est crevé, il faut s'arrêter, il ne faut pas décéder sur place, on le sait. Et notre intérêt ici, c'est l'aventure Ring Fit parce que c'est du sport, mais je l'ai dit, c'est aussi du jeu vidéo. Il y a toute une partie un peu d'aventure, c'est du RPG en fait, on peut considérer ça comme un RPG. Du coup, let's go. Les doublages, je m'en fiche et on va attaquer le chapitre 4. Mais avant ça, il faudrait peut-être s'échauffer, non ? Quand même. Ah, voilà. Bonjour, aujourd'hui c'est le jour 4 de votre aventure. Vous avez franchi le mur du jour 3. C'est plus difficile qu'on le pense. Je confirme. Récemment, vous avez beaucoup pratiqué l'exercice posture du guerrier 1. C'est la première des 3 postures du guerrier. Essayez de garder la bonne posture et concentrez votre attention sur les muscles du tronc et du bas du corps. Ok. Au fait, souhaitez-vous... Mais non, par contre, cette question, c'est... Oui, on peut la laisser comme ça, en fait. C'est tout le temps la même question, au final. Allez. Êtes-vous prêt pour une séance d'étirement dynamique pour commencer? Ben oui, il faut s'étirer. Je retiens une chose qu'on m'a dit en off. Il faut que je tende plus les bras quand je dois faire ce genre de choses, par exemple, et pas être comme ça. Je vais essayer. Je promets rien, je vais essayer. Imitez les gestes de posi. 3, 2, 1, c'est parti. Levez alternativement les genoux pour toucher le Rincon. Expirez en levant les genoux. J'ai le genou qui craque. Bien. L'exercice suivant consiste à monter les talons. Levez-les alternativement pour toucher le Rincon. Comme d'hab, la jambe droite... J'y arrive pas. Si c'est difficile, contentez-vous d'aller aussi haut que possible. Une dernière fois? Oui, c'est parfait. Passons aux étirements du dos. Mettez une jambe en avant. Attends, mais je l'ai mal fait. Ouais, voilà, comme ça. Pensez à votre posture quand vous levez les bras. Les bras... Faut que je les tende. Cet étirement cible aussi le tronc. Faut que je tende les bras... Une dernière fois de chaque côté. Allez. Bien. Écartez les pieds et passons aux étirements latéraux. Levez le Rincon et penchez-vous sur le côté. Il va plus vite que l'autre fois, non? Malgré l'habitude qui peut s'installer, veillez à faire des gestes amples. Cet étirement fait travailler le dos. Une dernière fois de chaque côté. Beau travail. Non, je vais pas sautiller comme ça, non. Non, non. Chapitre 4. Le royaume de Sport. Sporté, Sport, Sparte, Spartia. This is Sporté. Non, je sais pas. Le petit point d'XP parce que les étirements.
Alors, on en était où? Résumez l'histoire. Alors que vous étiez à deux doigts de lui mettre le grappin dessus, Drago s'est à nouveau enfui. Il est parti vers le royaume de Sport. D'après Ring, c'est un endroit sûr. Alors, du coup, c'est Ring qui parle. Il est caché derrière la caméra, mais c'est bien Ring qui parle. Mais attendez, il y a eu un follow en off, là. Je le mets, j'avais pas fait gaffe. Hop là. Herb Prince, c'est un copain de Imra, c'est un camarade de Imra, du coup merci Herb Prince pour le follow. C'était en off, j'avais pas fait gaffe, il y a 2 heures. Ah ben maintenant voilà, au moins c'est fait, merci beaucoup. Allez, regardez Jake. Drago est... c'est quoi cette map là, je... Drago est tout prêt, c'est notre chance, allons-y vite. Et vous pensez pouvoir franchir cet obstacle sans le pouvoir? Je sais pas pourquoi il a l'accent du sud. Attendez, pourquoi la map elle est comme ça là? C'est quoi ce bordel? C'est une énigme. Bon bref, sinon il y a un exercice là. Apparemment ça nous mènerait directement au boss, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'il va y avoir une arnaque. Et après, il y a 5, 3, 6... Putain, ça fait 6 gros exercices, plus le boss, plus des niveaux bonus. Waouh, on y est jusqu'à ce soir, je vous le dis. Je vous le dis, on y est jusqu'à ce soir. À mon avis, tu pourras pas passer sans le pouvoir, sûrement en rapport avec l'eau. Ah. Ah. Ah ben, go. Niveau 17, je crois que je suis 19. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. Allons tous ensemble donner une leçon à cette sale bête, dit le commandant Sportiat derrière la caméra. Il a une tête, je vous montre juste sa tête. Je veux disparaître, je reviens. Regardez la tête du machin, quoi. Hop là. Très rigolo. Mes commandants, alors là c'est un soldat qui parle. Mes commandants, on n'a aucune chance contre un colosse pareil. Soldat à droite, déjà que depuis qu'il est dans les parages, on a un tas de monstres sur le dos. Bande d'abrutis, ce n'est rien de plus qu'un gros tas de viande. C'est pas très vegan. Nous, fiers Sportiates, avons largement la force de... 3 petits points. Ouais, bah je vais passer mon tour. 3 petits points. Pareil, je prends ma journée. Ah ben dis donc, si c'est ça les forces militaires... Grigny, bande de tirs au flanc. Où sont les braves Sportiates entraînés dès leur naissance à garder toujours un corps et un moral d'acier? Ben, ils ont pas vu Mulan, je pense. Grrr, ce fichu bestiau est en train de mettre à genoux la légendaire fierté des Sportiates! Alors, Ring Inui, ici c'est le royaume de Sport. Je veux dire Sporté ou Sport, je sais pas. Chaque citoyen y suit un entraînement rigoureux visant à forger une véritable élite du muscle. Jamais je n'aurais cru que l'influence de Drago puisse s'étendre jusqu'à ce peuple. Une heure. Alors là, du coup, le commandant dit, il ne reste plus que vous, c'est ça. 3 petits points. À eux, c'est à nous qui parle. Votre visage ne me dit rien, comment vous appelez-vous? Jean-René. 3 petits points. Ah, je m'appelle 3 petits points, d'accord. Jake, ça sonne plutôt bien, ma foi, et ça ne vaut... Ça ne... Français sur 20. Et ces derniers jours, le français, j'ai du mal à le lire. Et ça ne vous va pas trop mal. Cependant, en criant, les débutants de votre espèce n'ont pas besoin de nom. Poussin conviendra. Je m'appelle Poussin. Alors, cher commandant Sportiate, nous ne sommes pas intimes en fait. Donc, tu vas pas m'appeler Poussin longtemps, je te le dis. Le dragon qui menace notre royaume était juste un peu plus loin. Partez en avant pour voir ce qu'il fabrique. Zou, Poussin. 8 minutes. 8 minutes! Et on peut récupérer des épinards, des fraises, du lait, du sésame blanc et de la gélatine. D'accord, ok. Que dites-vous? Pourquoi très phallique? J'ai pas compris ça. J'ai pas compris. Examiner les environs. Ah oui, c'est vrai que je suis jaune fluo maintenant. Bon,
Pousse, arrêtez avec ça. Ça suffit. Dès que nous serons sortis d'ici, Drago sera à nous, bien sûr, ouais. Sera à nous, etc. Allez, continuons. Allez, go. Pouf, pouf, pouf. Pouf, 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 pouf. Tranquillement. C'est quoi ce point d'interrogation, là? Ah mince, faut respirer. Voilà. J'ai déjà mal aux pieds, quoi. Pouf, 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 tranquillou. Bon, allez. Ah, punaise, raté. Oh non. Ah bah j'ai fini. Parfait. Ah bah écoutez, c'était Jay qui veut arriver à son studio. Suivez les réseaux. Cordialement bisous, à demain. Vous ne pouvez pas passer à cause de la rivière. Ma foi, vous n'avez qu'à courir sur l'eau. Je m'appelle Jésus. Il suffit de lever les pieds assez vite pour qu'il n'ait pas le temps de couler. C'est très facile. Ok. Attendez, vous n'allez tout de même pas me dire que vous ne savez pas marcher sur l'eau. Oh mon Dieu, ils savent pas marcher sur l'eau. Tous les Spartiates savent faire ça. Ils sont tout de même vraiment impressionnants, ces Spartiates. Si j'avais mon pouvoir, nous aurions pu traverser la rivière sans difficulté, mais là, un petit entraînement bien senti réglera le problème en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Suivez-moi, poussin. Et là, du coup... Ok, donc il va falloir faire le tour. Niveau 23. Waouh. On va au village, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous vendre? Boutique numéro 2. Mais c'est les mêmes marchands en plus. On lit vite, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous vend? Épinard, c'est la vie. Ok, j'en ai 5. Fraise, boost des puissances d'attaque. Rouge. Boost des puissances d'attaque jaune. Banane! Évidemment. Raisin, boost des puissances d'attaque bleu-violet. Bleu-violet. Pourpre. Bleu-violet. Bref, ça. Thé vert. Les attaques vertes. Ok. On peut récupérer du lait. Le lait, c'est pour un quart de cœur. Le sésame, un quart de cœur. Les épinards, un quart de cœur. Soit. Et les fringues. Attendez, moi j'ai du 67. Et ça, ça passerait l'attaque à 73. Je pourrais changer mon haut pour avoir plus d'attaque. C'est un bon boost en plus. Hein. Ou alors, le bas pour 72. Je pourrais prendre le bas, ouais. Ou les baskets pour un petit point de défense. Je vais déjà changer mon haut, je pense. Voilà, du coup, on n'aura pas porté longtemps la tenue jaune. Est-ce que je peux prendre le bas? Non, pour l'instant, je peux pas prendre le bas. 360. Il me manque 110, 12. Il me manque 112. Il me manque 112, mais je pourrais quand même prendre les baskets, en fait. Je vais prendre les baskets. Ça fait quand même une pointe défense. Et du coup, il restera le bas à acheter. Et le bas, on a dit, il y a combien? 360. 120, 220, 300. Il manque 200... 240, on va dire 240. Ok, il me faut 240 pièces. Ok. Oui, bon, on s'en fiche. Allez.
Non, par contre, il y avait du. Pardon. Je peux pas répondre, désolé. Oui, je voulais lire les autres dialogues. Il faut que je fasse des ados. Nous, les Spartiates, on s'entraîne dès notre plus jeune âge à traverser les rivières. La clé, c'est d'avoir des abdos solides. Mais à cause de... Oh, attendez, 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 ça parle beaucoup d'abdos là. Mais je peux pas déplacer la caméra comme je veux. Hein. Les abdos, j'avais dit que pour l'instant, je pouvais pas vraiment. Je viens de capter là. Donc bon. Pas. Vous dites quoi? Tac. Les jeunes de sport. Je coule toujours. Les muscles pèsent plus lourd que l'eau. Après, on a 70% d'eau dans le corps, donc techniquement, on devrait flotter, non? Ok. Niveau 17. Et il va falloir marcher sur l'eau, les gens. Pour traverser une rivière à pied sans couler, il faut de la force dans les jambes. Pour commencer, vous allez courir toute la longueur d'ici jusqu'au bout. Faites attention, vous pourriez bien croiser des gratte-sous. Ce sont des créatures qui adorent les objets qui brillent. Si vous en voyez, commencez à sprinter ou ils vous déroberont de l'argent. C'est dégueulasse! Marée de sport, 6 minutes. Il y a du raisin en plus, des épinards, et j'ai vu quoi en deuxième là? Du thé vert. Ok. Eh bien, il y a un camion devant chez moi. Je vais pas le lancer de suite. Ça va sonner. Ça va sonner, je vous le dis. On va attendre. Voilà. Allez, je reviens. Veuillez m'excuser. Ah, les voisins m'avaient demandé de récupérer un colis pour eux. Bon, alors. En plus, ils avaient fermé la porte à clé. Voilà. Du coup, j'ai dû sortir la clé alors que non, la porte est ouverte. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, il faut courir sur l'eau, c'est ça? Eh bien, on va courir sur l'eau, je pense. C'est bon? Voilà dans mon drap, si seulement j'avais mon pouvoir. Ah mais je peux y aller direct, allez go! Allez, continuons! Ah mais là-haut, punaise! Dans l'eau, levez les genoux plus haut pour avancer plus vite. Mais c'est nul le truc, je peux pas marcher sur l'eau comme j'ai envie. Ah, allez. Oh, j'ai le Joy-Con de la jambe qui est en train de partir en l'air quoi. Hey. Ben, je fais que ça, les montées de genoux.
Un premier monstre, tant mieux. Faut que je remette ça en place. Les ennemis sans couleur n'ont pas de points faibles. Tac. Ah, j'avais mal mis le Joy-Con hein, sur la jambe. Les sans couleur n'ont pas de points faibles. Ok. J'ai le micro, il s'est barré, non ? Choisissez une technique selon la couleur de l'ennemi. Vert sans mon point faible. J'ai du vert, je crois, quelque part. Ouais. Posture du guerrier 1. Alors, si je me trompe pas, c'est placer votre jambe gauche devant, étirer la droite vers l'arrière, plier la jambe avant, baisser le bassin, tendez le deux bras vers le haut. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Et bim ! Continuez à presser. Pourquoi est-ce qu'il m'enlève autant ? Choisissez une technique. Punaise. On va faire les bras un peu, tiens. Question triomphale. On y va. Pliez les poignets pour avoir plus de force. Beau travail. Formidable. Bon travail. Parfait. Joli. Joli. Excellent. Bravo! Excellent! On accélère! Super! Bien! Encore trois! Bien joué! Magnifique! Une dernière fois! Joli! Oui! C'est pas fini! Choisissez une technique! J'ai que du 30 ou du 35 en fait. On va faire les squats. Squat. C'est parti. Cet exercice fait travailler de nombreux muscles. Bien. Fantastique. Ouais, c'est ça. Super. Très bien. Continuez comme ça. Superbe. Excellent. Magnifique. C'est bien. Passons à la vitesse supérieure. Tenez bon. Encore trois. Ouais, c'est ça. Superbe. Une dernière fois. Ok. C'est ça. Ah, bouclier d'abdos. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Je comprends pas pourquoi je perds des cœurs sur ça, vraiment pas. Hein. On va refaire ça là. Question triomphale. C'est parti. Ça fait travailler le haut des bras. Bravo! Très bien! Bien joué! Superbe! Appuyez plus fort sur le Rincon. Bien joué. Allez, niveau 20. Planche. Oh punaise, 50. Placez les coudes au sol. Levez les hanches. Et ça va faire travailler les abdos et tout ça.
Oh punaise. Comment je vais gérer la caméra, moi? Comment je vais gérer ça? Surtout qu'en plus, c'est sur cette longueur-là. Faudrait que je pousse le canapé plus, en fait. Je vais pousser le canapé. Tac. Il y a juste une multiprise en plein milieu, mais c'est pas grave. Tac, je vais essayer de pas. Et tant pis, je tenterai ça à l'arrache, au pire. Je lèverai, je baisserai la caméra, on va faire comme ça pour l'instant. Ok. Il me faudrait un tapis de sol aussi, j'ai pas vraiment de tapis de sol. Bon, tant pis. J'en aurai peut-être une prochaine fois. Allez. 50 d'attaque, c'est pas négligeable. Hein. En vrai. Torsion de tronc, c'est 20. Alors, torsion de tronc, c'est ventre et taille. Ça, c'est bras trapèze. Tronc, ça fait le tronc aussi. Hein. Bras trapèze. Jambes, fessiers, ventre. Bas, poitrine, épaule. Abdos, jambes, ventre. En gros, faudrait que j'enlève. Quand même, soit le tir à l'arc, quoi que c'est des recharges de 2 quand même. Les squats, j'en ai besoin, je pense que je vais les garder encore. 30, 50, j'ai enlevé la pression triomphale, tant pis. Et on essaiera de faire la planche. Alors attendez, la planche, c'est vraiment, faut se mettre allongé, pieds sur les orteils. Les bras en équerre, je vais mourir. Je vais mourir. Un tapis de yoga peut-être? Oui, un tapis de sol, un tapis de yoga, ou ce genre de choses, oui. Allez, on est reparti. Bah, la torsion de tronc, tiens, on pourra peut-être virer le premier. Alors. Pivoter. À droite, à gauche, à droite, à gauche. Pivoter. À droite, à gauche. Bougez les bras depuis les épaules. À gauche, à droite. Vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche. Encore 10. À droite. À gauche, à droite, encore 5. À gauche, à droite, à gauche. Bien. Je pensais virer celui du milieu, au final il est resté. Hein. Deux boucliers d'abdos. Pressé avec les jambes légèrement pliées. C'est bon? Choisissez une technique. Du verre, il faudrait du verre. Posture du guerrier 1. Baisser le bassin. Penchez lentement vers la gauche. Bien, encore un peu plus bas. Revenez lentement à la position de départ. Ne vous penchez ni en avant, ni en arrière. Bien joué! Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras.
C'est pas fini. Choisis. On va voir. Vous allez faire cet exercice sans regarder l'écran. Observez d'abord le mouvement. Bon, déjà je place la caméra. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais mourir. Vous voyez le sol là? Je vois pas le sol moi. Attendez, qu'est-ce que vous voyez? Ça c'est moi. Je vais poser ça. Merde. Alors. Tac. La tête là, comme ça. Ok. Par contre, j'ai besoin quand même du Rincon. C'est vraiment être tout tendu. Poser le Rincon. Poser les coudes au sol. Ouais. Étirez vos jambes derrière vous. Oh putain, le canapé. Voilà. C'est bon. Et maintenant? Et j'ai pas faire mieux. Pourquoi ça marche pas? C'est bon? Je vois rien. Bah, il y est là, machin. Poser le Rincon, c'est fait. Poser les coudes. Et maintenant? C'est parti. Attendez, c'est comment? Attendez. Cet exercice cible les fessiers. Encore 10. Bravo. Continuez comme ça. Ah, mais t'es gentil, toi. Bordel. C'est fini? Non. Oh non. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'y arrive pas. C'est vraiment ultra dur. J'ai le micro qui se barre et tout, quoi. Ouais, ouais, j'arrive. On y va. Eh ben. Fantastique. Encore trois. Super. Oh bah 2 minutes. C'est méga dur. Punaise. Attendez, il y a un micro qui s'est barré là. Bon, note à moi-même, il me faut un tapis de sol. Mais c'est ultra dur ce machin. Ouais, le bouclier d'abdos, j'arrive. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Ah bon, au moins l'autre il est mort quoi. Tiens, tire à l'arc. Prends ça. Poignée gauche à l'avant. C'est parti. Tenez le Rincon comme un arc. Bien. Formidable. Super. Fantastique. Très bien. Joli. Ouais, c'est ça. Excellent. Bien joué. Superbe. Magnifique. On accélère. Magnifique. Bien.
même chose de l'autre côté. C'est parti. Tirez vers l'épaule plutôt que vers le visage. Bien. Parfait. Beau travail. Ah, c'est fait, fait. Quel combat épique. Pardon. Mieux vaut se méfier. On est sur le territoire des Gratsu. Les Gratsu nous ont repérés. Ok. Foncez, il faut fuir. Quoi ? C'est ça, continuez à me presser contre votre abdomen. C'est où ? Ouais, pas mal. Génial. C'est quoi ça ? Quadricolore. Les quatre couleurs primaires, c'est ça? Je peux faire des smoothies, cool. Bien joué. Allez, pépère. Punaise, mais la planche, au secours, quoi. Convertissez votre entraînement en point d'expérience en prenant la pause de la... Ah oui, c'est vrai. Abaissez votre bassin pour charger votre puissance de flexion, mais étirez votre corps vite. Il y en a trois. Il y avait le T avec. Ça fait quatre. Posez votre pouce droit sur la caméra infrarouge comme indiqué. Mesure en cours. Ne retirez pas votre pouce. Le vert, c'est pas une couleur primaire, on nous ment. Oh, ça va. Vous avez les jambes plus solides que je pensais, poussin. Vous allez pouvoir passer au prochain exercice. Le décès. On va d'abord faire un truc pépère. Hein. Salle de jeu. Casse-casse. Oh. Casse-casse. 2 minutes. Utilisez le canon à air pour briser des caisses. Ok. Attention, c'est parti! Quel talent! Bel effort! Tenez le ringtone bien fort! Continuez comme ça!
presser le ringcom en expirant. Aïe. Super. Secours. Bravo. Superbe. Beau travail. Génial. Ah. Ah, mes bras. Ah ben rambé, parfait, c'est ce qu'il fallait. La recette au sésame. Un smoothie sésame. Cool. Je vais me poser 30 secondes. Faut boire. Ah. Allez. Niveau. Pourquoi il y a un niveau tiré? Pourquoi il y a un niveau tiré? C'est quoi l'arnaque? Il faut avoir de la force dans les jambes mais aussi dans les bras. Oh. Ok, c'est l'épreuve des poteaux de Koh-Lanta. Il y a beaucoup de musculeufs dans cette zone. C'est quoi ça? J'aimerais que vous me rameniez au moins 15 musculeufs. Ça a l'air facile, mais il s'agit en fait d'un exercice très complet qui fait travailler le haut du corps pendant que vous courez. Pas le temps pour tourner les pouces. Musculeufs. Quel rapport avec les œufs? Ouais. Allez, en route. Ah punaise, j'ai vu la caisse à côté. C'est pas grave. Essayez de plier légèrement les coudes et maintenez-moi étiré. Abaissez votre bassin. Étirez-vous. Victoire.
Sans blague. Bon. Pousse. Je déteste ce personnage, c'est ici. Les œufs sont pleins de bonnes protéines, acides aminés, essentiels, vitamines, minéraux. Ah punaise, c'est pour... il veut juste les œufs pour dire ça. Oui, ben vite, oui, bien sûr, on ne peut qu'approuver, mais oui, bien sûr, punaise. C'est un peu moins haut que d'habitude, les BPM, non? Soit à 10 près, franchement, voilà quoi. Mais on sait que le début là encore. Hein. Il voulait juste qu'on lui apporte de quoi faire une omelette. Tout ça est ouais, bon. Vous avez pris suffisamment de force dans les bras et les jambes pour que je déclare votre période poussin révolue. Génial, on va passer poulet. Bleuzaille, c'est pas mieux. Bien, continuons votre entraînement. Pas terminé, bleuzaille. Non, non, on continue. Ouais. Niveau 19, ça va. 10, c'est pas mal, tu trouves? Je pensais pas que vous tiendrez le coup jusqu'ici, j'ai affaire à de la bleuzaille de qualité. Toutefois, pour traverser la rivière, il va aussi falloir travailler votre mental. Vous allez devoir résoudre des équations et un sudoku. Non, c'est pas ça? Ah, c'est pas le même jeu, c'est ça? On parle du programme d'entraînement cérébral du professeur Kawashima. C'est pas le même jeu. Il est temps d'attaquer la dernière étape de mon entraînement spécial. Il s'agit de courir jusqu'au bout sans fuir devant les monstres. 5 minutes. J'ai chaud au bras, bizarrement. J'ai ouvert la porte. Rouge, rouge. Bien, choisissez l'arc. Tire à l'arc. C'est parti. Ne baissez pas les épaules. Excellent. Fantastique. Joli. Très bien. Ouais, c'est ça. Super. Bon travail. Parfait. Super. Excellent. Formidable. Essayez de vous surpasser. Super. Magnifique. Une dernière fois. Joli. Même chose de l'autre côté. On y va. Exercez votre dos. C'est bien. Génial. Fantastique. Joli. Bien. Continuez comme ça. Superbe! Bravo! Magnifique! Excellent! Très bien! Bravo! Un peu plus vite! Fantastique! Tenez bon! Une dernière fois! Yes! Bien. Avec un seul exercice! Trop bien! C'était un bon exercice! Ah, je le vois là-haut. Allez, passe. Ah, oh, punaise, je l'aurais pas, tant pis, c'est pas grave. Choisis une technique pour attaquer. Je sais que c'est 50, mais j'en ai tellement chié. On va essayer ça. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Levez les genoux pour faire travailler les abdos. À gauche, à droite, vous êtes à la moitié. À gauche, à droite, à gauche, encore 10. À droite, à gauche, à droite, encore 5.
Ouais, c'est beau. Impeccable. Je l'ai fait tellement à l'arrache. Continuez à presser. Bien, choisissez une technique. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ne forcez pas en levant les épaules. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Vous pouvez tenter un angle droit, mais ne forcez pas. Excellent! Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Comme un arc. C'est bien. Excellent. Bon travail. Génial. Fantastique. Super. Magnifique. Formidable. Joli. Fantastique. Super. Joli. Super. Passons à la vitesse supérieure. Bien joué. Vous brillez de sueur. Merci. C'était super. Merci. Niveau 22. J'en peux plus, hein. J'en peux vraiment plus. Allez, go. Punaise, y'a un crapier. Choisissez une technique selon la couleur. Oh punaise, y'a un crapier. C'est ça le plus efficace, mais... Excellent. Bouclier d'abdos. 4. J'ai perdu. Oh putain. J'ai perdu. Pressé avec les jambes légèrement pliées. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir. Vous n'avez plus beaucoup de cœur. Torsion de tronc. Pivoté.
côté. À droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Pivoter, à gauche, à droite. Gardez le centre du corps stable. À droite, à gauche, vous êtes à la moitié. À droite, à gauche, à droite. Encore 10. À gauche, à droite, à gauche. Encore 5. À droite, à gauche, à droite. Yes. Oui. Bouclier d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Et là, j'ai pas perdu de cœur. N'oubliez pas de rester hydraté. Pourquoi ? Je sais pas. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Ne vous penchez. C'était intense. Beau travail. Baissez votre bassin. Étirez-vous. Ah, c'est mieux. Bon, on sait qu'on va récupérer un pouvoir. C'est déjà ça. Apparemment, c'est déjà ça, ouais. Il reste 3 niveaux. Et le boss. Attendez, il y a la boutique qui clignote, là. Pourquoi elle clignote la boutique ? C'est ça les quêtes ? Que j'ai pas capté l'autre fois, c'est ça les quêtes ? Punaise. Ouais, allez, tiens. Il va falloir que j'en refasse du coup. Un short. Ouais, je gagne encore en défense. Cool. Parfait.
J'ai dit qu'il fallait que je fasse des smoothies. C'est quel bouton déjà? Alors. C'est quoi qu'on fait les smoothies? C'est pas là. C'est pas là du tout. Non. C'est pas ça. Comment on fait les recettes? Je me souviens plus quel bouton c'est. Plus? Non, c'est pas plus. Je sais plus. Mais il va vraiment falloir que je fasse des smoothies là. On va en boutique du coup. Attendez. Elle était à combien la machin? Mais en fait, j'ai plus. Le truc du. C'était quoi que je voulais acheter? Je sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais acheter. C'est pas grave. Smoothie. 120. Sachant que j'en ai 5, mais c'est pas des gros smoothies en fait. On a acheté 2. Voilà. Mais comment est-ce qu'on les fabrique? Je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus. C'est pas ça. Il faudra que je me souviens. Si je ne m'en souviens plus, par contre. Bon, au pire. Allez! Pouvoir des flots. Ah, tiens donc. Bon. 5 minutes, 9 minutes. Oh, putain. Suggestion rouge. Les bras. C'est un niveau à bras, ça. La porte, allez, elle est bizarre là-bas au fond. Ouais. De niveau à bras, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Penchez-vous à gauche. Oh, trop bien. Penchez-vous à droite. Ah, mais je vais faire ça tous les jours. C'est sympa ça. Par contre, du coup, il y a mon personnage. Il sait plus tourner le truc. Un mantapi. Bien, choisissez une technique. Rouge. Tire à là. On y va. Tirez vers l'épaule plutôt que vers le visage. Bravo. Très bien. Excellent. Joli. Parfait. Excellent. Super.
Même chose de l'autre côté. C'est parti. Comme si vous vendiez un arc. Bien. Formidable. Super. Continuez comme ça. Magnifique. Bien. Très bien. Beau travail. Super. Ouais, c'est ça. Joli. Bon travail. On accélère. Excellent. Bravo. Une dernière fois. Joli. Impeccable. Cadabra. Bon. La fois d'avant, j'ai réussi à pas perdre de cœur. Comment j'ai fait? Continuez à presser. Ouais. Choisissez une technique pour attaquer. Torsion de tronc. Pivoter. À droite. À gauche. Aïe. À droite. Pivoter. À gauche. À droite. Gardez le centre du corps stable. À droite. À gauche. Vous êtes à la moitié. À droite. À gauche. À droite. Encore 10. À gauche. À droite. À gauche. Encore 5. À droite. À gauche. À droite. C'est ça. Bouclier d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pardon? N'oubliez pas de rester hydraté. C'est parti. Ne tournez pas vos pieds vers l'intérieur. Très bien. Fantastique. Ouais, c'est ça. Allez. Bien joué. Vamos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Tenez bon. Non, la planche, on a dit non. Exercez votre dos. Joli. Super. Bien joué. Beau travail. Magnifique. Bravo. C'est bien. Continuez comme ça. Super. Très bien. Super. Un peu plus vite. Bien. Continuez comme ça. Une dernière fois. Ok. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Ça fait travailler le haut des bras. Fantastique. Génial. Beau travail. Joli. Bravo. Bon travail. Excellent. Superbe. Très bien. Formidable. Joli. Essayez de vous surpasser. Excellent. Ouais, c'est ça. Une dernière fois. Bien. Ça, c'est l'exercice. Bien joué. Yes, niveau 23. Quatre-vingts d'attaque. Asseyez-vous. Pressez le Rincon entre vos cuisses. D'accord. Je sais déjà ce que je vais enlever. Ça, c'est combien? 30. Oh punaise, c'est 50. Abdomen, jambes, ventre. Abdomen, jambes, ventre. Jambes, bas du corps, posture. Jambes, fessiers, ventre. Ah, je voulais enlever les genoux. J'aime bien les squats. Bon, ben, au revoir les squats. Bonjour les pressions des cuisses.
Allez. Ah, pardon. Pliez les genoux, puis redressez-vous quand vous êtes tout en bas. Choisissez une technique. Le tapis. Tire à l'arc. C'est parti. Oui. Poignet, coude et épaule à la même hauteur. Super. Fantastique. Super. Magnifique. Génial. Ouais, c'est ça. Continuez comme ça. Très bien! Excellent! Bien joué! Excellent! Passons à la vitesse supérieure! Bien! Très bien! Une dernière fois! Ok! Même chose de l'autre côté! On y va! Étirez le ring code en inspirant! Excellent! Parfait! Beau travail! Superbe! Formidable! Bien! Joli! Super! Bon travail! Bravo! On accélère! Bravo! Bravo! Une dernière fois! Bien! Bien! Pressez avec les jambes légèrement pliées. Choisissez une technique. Allez, on va essayer ça. Pression de cuisse. Pliez les jambes. Asseyez-vous sur le sol. Ok. Entre les cuisses comme ça là. C'est parti. Utilisez vos cuisses comme un casque. Appuyez plus fort sur le ring con. C'est mieux. Beau travail. Fantastique. Essayez de vous surpasser. Ouais, ben, c'est ce que j'essaye de faire, hein, le jeu là. Je pense que ça plante un peu quand même. Ouais, c'est ça. Une dernière fois. Joli.
Allez, adieu la carpette. Ouais, bah, le bouclier d'abdos, il va attendre 2 secondes. Continuez à presser. C'est pas fini. Choisissez une technique. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Contractez les abdominaux sans plier le bas du dos. Bien joué! Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. N'oubliez pas de rester hydraté. Tire à l'arc. On y va. Ne baissez pas les épaules. Ok. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Tenez le ring cone comme un arc. Super. Parfait. Super. Très bien. Excellent. Magnifique. Continuez comme ça. Fantastique. Bien joué. Fantastique. C'est ça. On accélère. Bien. Tenez bon. Vous brillez de sueur. C'était superbe. Ah. Ah, punaise, je l'ai raté. Ah non. Bravo!
C'est dur en fait. Bien joué. Abaissez votre bassin. C'est vraiment dur le truc. Fichu carpet tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Petit boire un coup là. Petit coup à boire plutôt. Allez. On va faire le mini-jeu. Quoi ? C'est pas un mini-jeu ? Un point de téléportation. Pivotez rapidement le torse pour frapper des robots avec votre batte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh punaise, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? D'accord, ok. Attention, c'est parti. Gardez les genoux légèrement pliés. Ah punaise, je sais pas combien. Rambé. Ouais, on va y aller doucement pour ça. Mais on prend 80 à la place de... Je pourrais déjà virer la planche, mais c'est quand même 50. Bon, allez, on joue le jeu, on va virer ça.
C'est quoi ça? Un secret, 4 minutes. Ah, mais il baisse un peu ses cuisses, lui. C'est bien. Continuez comme ça. Bon travail. Magnifique. Très bien. Très bien. Formidable. Fantastique. Essayez de vous surpasser. Superbe. Continuez comme ça. Encore trois. Super. Bon travail. Une dernière fois. Ok. Bien. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Choisissez une technique. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Bien, encore un peu plus bas. N'avancez pas le genou au-delà du talon. Ah, j'ai pas vu. Ok. Super. Dans les escaliers, on avance plus vite en levant les genoux bien haut. Aïe. C'est une technique selon la couleur de l'ennemi. Salut Mara. Je suis mort. C'est pas fini. On y va. Tenez le ringcon comme un arc. Fantastique. Très bien. Bien. Bon travail. Fantastique. Bravo! Super! Super! Superbe! Joli! Bien joué! Passons à la vitesse supérieure! Ouais, c'est ça! Bien joué! Une dernière fois! Ok! Même chose de l'autre côté!
On y va. Poignets, coudes et épaules à la même hauteur. Très bien. Excellent. C'est bien. Magnifique. Excellent. Joli. Excellent. Parfait. Beau travail. Un peu plus vite. Bon travail. Bien. Une dernière fois. Punaise, mais c'est un vrai tank lui. Parfait. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Choisissez une technique pour attaquer. Allez, on part sur ça. Hop là. Pression de cuisse. C'est dur à faire ça. Vas-y. Allez, le détecteur, qu'est-ce que je fais là d'après toi? Ça, par contre, là, c'est pas des trucs très précis, je trouve. Bébé, quand même. C'est parti. Ne faites pas tomber le ringtone. Très bien. Formidable. Super. Bravo. Levez-vous tranquillement. Bouclier d'abdos. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. N'oubliez pas de rester hydraté. Flexion triomphale. On y va. Gardez les genoux légèrement pliés. Fantastique. Génial. Superbe. Ouais, la planche, au secours quoi. Vous brillez. Au secours, la planche. C'était superbe. Ah, je le vois sur la droite. Sur la droite. Voilà. Bravo. Abaissez votre bassin. Et tirez vite. Oh, trop cool. Oh, yes. Trop bien. Un cœur, ça c'est bien. Ça c'est une bonne nouvelle, ça, un cœur. Des recettes au lait caramel. Cool. Je sais toujours plus comment on accède aux recettes, mais c'est pas grave. Attendez quand même. Ah, c'était juste ça, d'accord. Alors, préparer des smoothies, oui. C'est quoi ça? Ça me permet de récolter deux fois plus d'ingrédients. Ok. Boost, ouais. Pour l'instant, ça, je vous avoue que pour ce type de jeu, en vrai, je m'en fiche un peu. Je préfère faire les exercices correctement. Enfin, essayer. Sprint et levée de genoux facilité. Contient du calcium et de la vitamine B2. Ouais, mais ça pareil, il faut que j'apprenne à mieux le faire en vrai. Par contre, ça, il faut faire ça.
Hop là, on en fait 5. C'est parti. Ah oui, c'est vrai que c'est à moi de les faire. Pressé. A l'air délicieux. Ça, on l'a vu, on l'a même. Tac, tac. J'aime pas quand il y a des notifs comme ça. C'est stressant. Catalogue. Il y a tellement de notifs en vrai partout. Bon, c'est pas. On verra, je verrai ça en off. C'est pas fini, il reste ça, plus la rivière, plus le boss, et ça fait déjà 1h40. Ah ben, on voit pas le temps passer quand on s'amuse, je vous le dis. Donc bon, oh mais c'est un follow. Player 132 wins, ça suivi. Écoute, si t'es pas un bot, bienvenue à toi, player 132 wins. Si t'es un bot, ben, tu resteras pas longtemps, désolé. Mais sinon, bienvenue. On va boire un coup. Faire un point t-shirt aussi, dis donc. Point t-shirt, attendez. Je sais pas si ça va beaucoup se voir. Ah si, quand même. Allez. En vrai, pour l'instant, le plus crevant, c'est la planche. La planche, j'ai... depuis le début de Ring Fit, je crois que j'ai jamais autant galéré. Les levées de genoux, j'ai du mal. Le reste, c'est pas parfait, mais ça va, je supporte. Donc bon. Ça va, le point t-shirt, ouais. Ouais, ça va devenir un rituel, ça, je pense. Voici le trésor de Sport. C'est ici qu'ils ont conservé le joyau brillant. Le joyau brillant est tombé du ciel à travers les nuages, alors que notre royaume sombrait dans le chaos après l'apparition de la bête. Nous y avons vu un symbole d'espoir. Si j'avais su que des monstres nous attaqueraient à cause de lui... Nous ne faisons pas le poids. Et comment pouvez-vous suivre et vous prétendre Spartiate? On dirait bien que je ne peux compter que sur vous, champion. Allez, arrachez le voyou brillant des griffes de ces monstres. 5 minutes. Il n'y a que 70 mètres à courir. Elle est où l'arnaque? Pourquoi il n'y a que 70 mètres? Où est l'arnaque? Il y a une arnaque quelque part. Battez des monstres. Putain, je suis de la moussage. Alors, il est bien gentil ce commandant, mais il pourrait faire ça lui-même, non? Ben, voilà, c'est ce que je disais. Bon, là, il va falloir courir vite, ça va s'effondrer. J'ai un truc à éclater au fond, ça va faire ça en même temps. Bras plus jambes, attention de faire deux choses à la fois, c'est parti. Déjà, j'ai fait 70 mètres là. Qu'est-ce que c'est que ça? Choisissez une technique selon la couleur de l'ennemi. Bon, au moins, il n'y a pas la carpette. Ouais, allez. Tire à l'arc. C'est parti. Poignet, coude et épaule à la même hauteur. Magnifique. Bien joué. J'ai bien fait de faire des smoothies, hein. De l'autre côté. On
On y va. Tenez le ringtone comme un arbre. Ouais, c'est ça. Génial. Bien. Très bien. Superbe. Joli. Super. Joli. Excellent. C'est bien. Un peu plus vite. Bon travail. Continuez comme ça. Une dernière fois. Joli. Parfait. Alors, ça, faut vouloir bien le faire. Deux fois. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Bien. Choisissez une technique. J'ai plus de rouge. On va virer le à gauche là. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Allongez le dos en gardant le buste bien droit. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Ne vous penchez ni en avant ni en arrière. Vos mouvements sont un peu trop rapides. Revenez lentement à la position de départ. C'est ça. Je pensais l'avoir, je l'ai pas vu. Mince, mauvaise technique. Continuez à presser. N'oubliez pas de rester hydraté. Allez, les cuissots. De cuisse. On y va. Ne faites pas tomber le ringtone. Joli. Super. Beau travail. Faites de beaux rêves. Bouclier d'abdos. Tout en contractant vos abdominaux. Non, pitié, pas la planche. On va virer le petit. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Bien joué! Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Les pieds et coriaces, tenez bon! Flexion triomphale. On y va. Concentrez-vous sur les muscles de votre dos. Bon travail. Et revenez. Excellent. Fantastique. Et revenez. Superbe. Très bien. Formidable. C'est bien. Superbe. Magnifique.
Excellent! Continuez comme ça! Bravo! Bien! On accélère! Super! C'est bien! Encore trois! Vous y êtes! Joli! Une dernière fois! Ok! Impeccable! Bouclier d'abdos! Encore! Expirez tout en contractant vos abdominaux! Allez, il m'a fait mal. Bien, maintenant choisissez une technique. C'est le seul rouge que j'ai, de toute façon, donc j'ai pas le choix. Allez. On y va. Comme si vous vendiez un arc. Ouais, c'est ça. Parfait. Bien joué. Joli. C'est bien. Continuez comme ça. Très bien. Jouer. Formidable. Super. Essayez de vous surpasser. Bravo. Continuez comme ça. Une dernière fois. Bien. Même chose de l'autre côté. On y va. Tirez vers l'épaule plutôt que vers le visage. Magnifique. Super. Joli. Joli. Fantastique. Excellent. Bon travail! Ouais, c'est ça! Très bien! Bien! Super! On accélère! Bon travail! Fantastique! Une dernière fois! Joli! Excellent! Pressez avec les jambes légèrement pliées. Il va falloir des smoothies. Attention, vous n'avez plus beaucoup de cœur. En vrai, flexion triomphale. On y va. Exercez votre dos. Excellent. Super. Bon travail. C'est bien. Bravo. Fantastique. Bien joué. Fantastique. Joli. Génial! Bien! Très bien! Excellent! Parfait! Magnifique! Passons à la vitesse supérieure. Bon travail! Superbe! Encore trois. Super! Bon travail! Une dernière fois. Ok. Parfait. Non. Choisissez une technique et bonne chance. Sérieusement. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Attention à ne pas trop incliner votre buste. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite.
Contractez les abdominaux sans plier le bas du dos. Revenez lentement à la position de départ. Bien ! Bouclier d'abdos ! Continuez à presser. Il a rien fait lui. Ne vous surmenez pas, faites une pause si nécessaire. On va le finir le rouge là, oui. C'est parti. Étirez le ring code en inspirant. Superbe. Continuez comme ça. Super. Très bien. Super. Bravo! Ok, donc focus le boss, c'est plus simple, d'accord. Eh ben. Ouh, XP! Abaissez votre bassin. Étirez-vous, victoire! Dès le départ, il fallait focus le boss en fait, punaise. Bon, au niveau pouce, ça devrait aller, je pense. Ouais, ça va. J'arrive à un petit peu mieux gérer ça. Ça va. Dommage, j'aurais bien voulu prendre le niveau là, le 25. C'est dommage. Oui, le pouvoir. Pouvoir des flots. Je vais pouvoir marcher sur l'eau. Oh punaise. Pouvoir des flots. Oh mon dieu, du paddle. J'en ai jamais fait de ma vie et je vous avoue que je préfère faire du canoë. Hein. Ce pouvoir vous permet de franchir les cours d'eau avec vos abdos. Ouais. J'étais prêt à voler à votre secours au moindre signe de difficulté. Tu parles. Tu nous as laissés. Tu nous as abandonnés. Mais vous n'avez même pas eu besoin de mon aide. Vous méritez bien votre titre de champion. Trois petits points. Que, pardon, vous dites que ce joyau brillant vous appartient? Mais, champion, je veux dire, Jake, qui êtes-vous donc? Je suis l'élu. Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais maintenant que vous avez terminé votre entraînement et obtenu le pouvoir du joyau brillant, vous réussirez sûrement à traverser les eaux de Sport. Une fois que nous aurons passé la rivière, nous serons juste derrière lui, Draco, en avant, direction les eaux de Sport. Et voilà. Il reste que, comment il s'appelle, le dragon, là. Je suis moins crevé que tout à l'heure, alors que je viens de décéder. Mais c'est pas grave. Oh, la boutique, qu'est-ce qu'ils veulent? Si quelqu'un veut... Attendez. Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, vous parlez peut-être, en fait. Que dites-vous? Il a fait la planche, oui, c'était du sport, c'est le cas de le dire. Point t-shirt, point... Oh, c'est le Wedios, bonjour Wedios. Focus le machin, le boss. Ouais, bah, je vous ai lu trop tard, désolé. Level 25, ça monte. Oui, ça monte petit à petit. Et c'est pas suffisant, je pense, en vrai. Alors, la quête, qu'est-ce qu'il veut, lui? Moi? Je vais pas vous demander une faveur. On a un gros problème sur le chemin. Mais je l'ai déjà fait. Je l'ai fait. Des rochers sont tombés au milieu de la route, ça rend le passage difficile. C'est de l'XP, c'est de l'XP, il faut prendre l'XP, prenons l'XP, on y retourne. Punaise. Non. Ah. On y retourne, génial. Ah, quelle horreur!
Je pensais faire le boss et en fait, bon, ça fait combien de temps? 1h59. Allez, go. Allez, continuons. Ah, j'ai raté un ingrédient. C'est ça son rocher. Voilà. Encore? Elle a dit un rocher. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas souple comme ça, moi. Alors. Mais ça permet de se soigner. Allez, on le prend. Mais ça veut dire qu'il faut que j'enlève soit un... Bah, il faut que j'enlève un bleu. J'ai pas le choix que d'enlever un bleu ou j'enlève un jaune. Ah, attendez, attendez. Soit j'enlève la planche que je n'ai fait qu'une seule fois tout à l'heure. Et vraiment, la planche, c'est horreur. Non, la planche, c'est... Voilà. Soit j'enlève les genoux. Attaque 50, attaque 50. Abdos, jambes, ventre, abdos, tronc, posture. Posture, jambes. Ouais, on va enlever la planche, le reste on le retrouve ailleurs. Au revoir la planche. C'était... Voilà, c'était bien la planche. Ouais, j'ai été ravi. Ravi de l'avoir connue. Au revoir. Plus jamais. Allez, ciao la planche. Ah, je peux pas l'avoir, tant pis. Voilà, c'est fait. Abaissez votre bassin. Salut Draken, pardon, je t'avais pas vu. Ouais, 2 heures, ouais. Déjà 2 heures. Et j'ai pas fini. C'est ça le pire, c'est que c'est pas fini, quoi. Thank you.
XP sur 20. Ah. 300 pièces. Ça valait le coup. Il reste une quête. Si tu veux, oui. Mais attendez, j'ai pas compris. Voilà, c'est dur, hein. C'est prêt. Ah. Ouh. Ah. Ah. J'espère qu'il va pas en rendre demande de deuxième, non c'est bon. Ok, bon allez, du coup je sais que j'ai raté les quêtes des mondes précédents, je le dis de suite, je sais que ça n'a pas été fait, vu que j'avais pas compris comment les faire, donc bon. Niveau t-shirt, ça va encore? Oui, on a fait un point t-shirt tout à l'heure. Ouais, t-shirt sur 20. Salut Nino. Caramel, ouais. Vous allez bien? Réponds pas à la question. Mais allez, on est niveau 26, on doit passer la rivière cette fois, on a un paddle. Je vous lis plus les textes au pont où j'en suis. Il va falloir courir 700 mètres, 690 mètres, il y a 6 minutes de... Ok, suggestion, attaque jaune. J'ai toujours de la batterie dans le micro, attendez, je pense à un truc. Oui. Attaque jaune, et je peux toujours récupérer plein d'ingrédients. Mais j'ai pas masse gélatine en vrai dans mon stock, là je viens d'utiliser en fait. J'aime pas la gélatine, je préfère la agar-agar, c'est beaucoup mieux. Et c'est vegan en plus. Allez-y, montez. Compressez-moi contre vos abdominaux. Punaise, je fais du canoë avec les abdos, quoi. Sur les côtés. Hey, plutôt pas mal, hein. Ok. Oh punaise, il y a un tapis. Choisissez une technique. Il y a un fichu tapis. Flexion triomphale. C'est parti. Exercez votre dos. Très bien. Parfait. Ouais, c'est ça. Super. Bon travail. Super. C'est bien. Formidable. Bien. Joli. Excellent.
fais comme ça. Fantastique. Joli. Magnifique. Un peu plus vite. Bravo. Bon travail. Encore trois. Très bien. Et bim. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Choisissez une technique. Allez. Pression de cuisse. C'est parti. Cela fait travailler le bas du corps. Ouais, c'est ça. Bravo. Super. Très bien. J'y arrive tellement pas. On accélère. Ouais, c'est ça. Encore trois. Bravo. Super. Une dernière fois. Bien. Oh, il est KO, trop bien. Bien joué. Bouclier d'abdos. Pas de mail. Il reste du jaune là. Ouais, allez go. Flexion triomphale. On y va. Gardez les genoux légèrement pliés. Au travail. Fantastique. C'est bien. Génial. Ouais, c'est ça. Très bien. Superbe. Quel combat épique! Punaise, 200, 300 d'XP. 300. 330 moins 7. 323. Allez, go! Qu'est-ce que... Oh punaise, j'ai pas vu le truc en haut. Ah d'accord, ok. Choisissez une technique, couleur de l'ennemi. Flexion triomphale. C'est parti. Inspirez en reprenant votre position. Beau travail. Fantastique. Super. Ouais, c'est ça. Jouer. Très bien. Bien. Joli. Bon travail. Superbe. Superbe. Bravo. Passons à la vitesse supérieure. C'est bien. Continuez.
fais comme ça. Encore 3. Superbe. Allez, c'est bon. Le healer, il s'est barré. J'ai le câble du micro qui est parti dans tous les sens. Il y a quand même deux tanks et un qui fait beaucoup de dégâts. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Attention à ne pas trop incliner votre buste. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Ouvrez la poitrine quand vous levez les bras. Vos mouvements sont un peu trop rapides. Revenez lentement à la position de départ. Bien! Bouclier d'abdos! 3. Pressez avec les jambes légèrement pliées. N'oubliez pas de rester hydraté. Tire à l'arc. On y va. Tirez vers l'épaule plutôt que vers le visage. Joli. Formidable. Fantastique. Génial. Ouais, c'est ça. Bravo. Magnifique. Excellent. Très bien. Super. Essayez de vous surpasser. Bien. Bien. Une dernière fois. Ok. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Exercez votre dos. Joli. Continuez comme ça. Excellent. Super. Très bien. Super. Bravo! Bien joué! On accélère! Magnifique! Excellent! Une dernière fois! Joli! Il est tellement tanky celui-là, punaise! Expirez tout en contractant vos abdominaux. Tenez bon! Je vous lis un peu. J'avais pas vu le raid, pardon, bonjour Sifren, bonjour tout le monde. J'avais pas vu, merci beaucoup, c'est gentil. Go, ouais, j'en peux plus. Ça fait 2 heures, j'en peux plus, quoi. Allez. Pression de cuisse. Et j'irai toujours pas atteindre le boss. On y va. Cet exercice fait travailler les jambes. Excellent! Joli! Au travail! C'est bien! Ouais, c'est ça! Bon travail! Très bien! Fantastique! Continuez comme ça! Joli! Un peu plus vite! Joli. Encore 3. Tenez bon. Fantastique. Une dernière fois. Bien. Yes. Oh, enfin. Mais le niveau n'est pas terminé. Ah, attendez.
Tac. Niveau n'est pas terminé pour autant. Est-ce que tu vois des bénéfices avec le jeu? En vrai, pour l'instant, je suis qu'à 4 séances, mais je suis déjà niveau 27. Et oui, c'est petit. Ce que je fais là, en vrai, par rapport à ma sensibilité, c'est quand même petit. Je suis pas un vrai sportif du tout. Mais je sens déjà, en termes de souffle, en fonction des sens, que ça va mieux. Là, aujourd'hui, je sais que je suis moins essoufflé qu'à la deuxième séance. La deuxième, j'étais mort. Mais voilà, mais en vrai, oui, oui. Clairement, oui, oui, il y a un gros bénéfice. Ouais, ouais. Là, ils ont bien bossé. Et ça coûte moins cher que d'aller à la salle. Et pourtant, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Avec l'aspect jeu vidéo en plus. Donc, ouais, ouais, clairement. Et ça se voit aussi sur quand je prends le pouls avec le machin. Ça se voit aussi. Déjà, j'arrive à réguler un peu plus. Allez. Attention, ça va, il y a des petits rapides. Et go. Voilà, fini. Vous avez réussi. Abaissez votre bassin. Et tirez-vous vite, quoi. Tiens, on va vérifier ça dessus d'ailleurs. Ouais, voilà. Les autres fois, je montais quand même à 160 voire 180. Et là où je suis à 135, franchement, il y a déjà rien que sur ça. Déjà, je sens qu'en termes d'endurance, ça va un peu mieux. Je veux dire, ça va beaucoup mieux parce qu'il va falloir faire ça quand même régulièrement, pas s'arrêter. Mais je sens déjà que ça va mieux en termes d'endurance. Ouais. Oui, l'XP. C'est beau l'XP. C'est plus cardio que muscu, je pense. Il y a quand même un aspect muscu. Moi, j'ai choisi vraiment de plus le cardio parce que je sais que c'est ce que j'ai le plus besoin. Et par facilité aussi par rapport à la disposition caméra, etc. Parce que bon, bah, les choses, faire des pompes et compagnie, c'est chiant de bouger la caméra, etc. La planche, tout à l'heure, en début de séance, la planche, voilà. Mais voilà, par contre, ouais, ça va pas te faire soulever des poids, même si le Rincon, en vrai, forcer dessus, tirer machin, c'est déjà un gros exercice. Mais ça vaut pas des poids, ça c'est clair. Mais bon, pour ce que je suis comme ça, là, en tout cas, je suis très content de ce que je fais déjà, parce que en vrai, je n'aurais pas fait sinon. Donc, ouais, voilà, tout à fait en dos. Excellent. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que désolé, c'était en plein exercice, c'était un peu compliqué. Je finis les dialogues. Voilà. Je bois un coup. Et on va faire le boss. Alors, ce n'est que de l'eau. Hein. Dans cette gourde-là, je n'ai que de l'eau. Donc, sinon, merci pour le raid. Bienvenue pour ceux qui ont rejoint. Vous êtes sur Iva Sound Studio, une petite chaîne associative, moi c'est Jake. Et sur la chaîne, on est plusieurs à stream. Et le but, c'est de faire découvrir plein de jeux, des jeux rétro qui changent, qui n'ont rien à voir avec les jeux d'aujourd'hui, des jeux indépendants qui ont des messages à faire passer, et aussi montrer que les gamers savent se dépasser, et pour ma part, c'est ce que j'essaye de faire. Et surtout de reprendre un peu soin de moi et de mon corps parce que j'en ai besoin. Et je n'avais pas du tout la motivation de faire du sport en vrai, à part un peu de vélo. Pas du tout la motivation d'aller à la salle. Et cette chose-là, Ring Fit, en vrai, c'est totalement ludique. Ça mélange en plus une pointe de jeu vidéo. Donc ça m'a motivé un peu plus. Et en vrai, c'est hyper intéressant, vraiment. Et d'après ce que les gens disaient dans le chat jusqu'à aujourd'hui, pour les 4 séances en tout cas, ça a motivé d'autres gens à se mettre à Ring Fit et à faire du sport aussi, alors des gens qui n'en faisaient pas forcément. Donc je suis aussi content par rapport à ça. Bah, vous hydratez, je viens de le faire.
Ah, il y a d'autres quêtes. Il y a d'autres quêtes. Qu'est-ce qu'il veut? Un prix exclusif, ouais, si tu veux. Ah ben, on y retourne. Allez, c'est parti. 2500 points à 30 secondes. Ah pardon, c'était en bas. 2500 points à 30 secondes, on retient. Donc, on retient. Que du positif, ouais, complètement. On réfléchit à l'acheter ici. En vrai, dès le départ, fallait pas l'acheter parce que il était extrêmement cher. Entre son prix de sortie, je sais plus quelle année, et maintenant, ça a quand même perdu 30 euros. Donc c'est très intéressant de l'acheter maintenant. Là maintenant. Là aujourd'hui, on a le Ring Fit à 60. Et c'est son prix, de toute façon, le plus bas qu'on peut trouver. Mais ouais, clairement, du sport et du jeu vidéo. Alors faut y aller mollo, bien sûr. Dès le départ, le jeu le dit. Enfin, le jeu, le programme, parce que c'est plus un programme. Ça le dit, il faut y aller à son rythme, petit à petit. Mais par contre, il faut s'y tenir. Il faut vraiment s'y tenir. Donc voilà, moi j'ai choisi pas la difficulté la plus élevée, je suis en difficulté facile moins, facile plus, je sais pas comment on dit. Mais voilà, je suis. Pour l'instant, ça va. Peut-être que les prochaines fois, j'augmenterai la difficulté. Bon, 30 secondes, on a. Retenez, c'est 2500 points en 30 secondes. Merde, c'est comment qu'on joue? Comme ça. Non? Si. Attention! Gardez les genoux légèrement pliés. Superbe. Je crois que j'ai la quête. Contractez vos abdominaux et respirez profondément. Ouais, c'est bon. Normalement, j'ai la quête. Voilà. Une perle, deux perles. Génial, je suis content. Encore des quêtes? Oh, oh, on se calme. Mille, 15 000 points en 40 secondes. J'ai fait combien tout à l'heure? Je sais plus. 15 000 points en 40 secondes. Punaise, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. C'était comme ça. Oh, putain. Voilà. On va pas le faire, le boss, aujourd'hui. Ça va finir. Il fera nuit, quoi. Attention, c'est parti! Quel talent! Bien joué! Super! Compressez le Rincon en expirant. Continuez comme ça! Bien! Superbe! Pour que ce soit plus dur, éloignez le Rincon de vous. Bravo! Les bras sont dans un état... 20 000 ! Ah ouais. Mais il m'a pas mis un nouveau rang, je suis deg. Je crois que j'ai fait mieux que tout à l'heure en plus. 300 pièces. Ça, c'est chouette. Faut que j'y pense à faire les quêtes des autres mondes que j'ai raté du coup, parce que je n'ai pas capté de les faire. Bon, on a un certain Drago qui nous attend. Vraiment, un petit Drago là. Quand on se voit, il faudra faire des Olympiades, des strips. Mais t'es pas obligé de faire la map en une seule fois, non? Non, je suis pas obligé. Mais c'est l'objectif que je me suis donné personnellement. C'est mieux pour la VOD. Oui, enfin, il y a la question de la VOD, en effet, Draken, mais c'est plus juste un objectif personnel, là, en fait. Donc... Avant que ce dragon fasse son... Ah non, j'avais donné un accent tout à l'heure à lui, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave.
avant que ce dragon fasse son apparition dans le royaume de Sport. Ah, le royaume de Sport était invincible. Mais face à une telle créature, notre mythique combativité nous a abandonné avec elle, notre fierté de Sportiate. Désormais, le moindre monstre qui rôde dans les parages est source d'ennuis sans fin. Voilà pourquoi nous devons neutraliser cette chose au plus vite. Bien, il est temps de récupérer notre fierté de Sportiate. Allons-y, patati patata. C'est direct le boss, hein. Il n'y a que 90 mètres à courir. Par contre, estimation de temps... J'ai deux niveaux de plus. Je suis pas serein, en vrai. En vrai, je suis pas serein. This is Sparta. Alors vous... Punaise, attendez, faudra que je fasse un truc après. Stop. Je mets pause 2 secondes. Vous le voyez pas, mais derrière la caméra, en fait, il y a le compteur d'exercice en minutes et en secondes précis sur, depuis le début du stream, en fait. Là, ça fait 2h30 que le stream tourne, mais il y a du blabla, il y a du lore, il y a de l'histoire, enfin, il y a plein de choses. Il y a les étirements. Mais en termes d'exercice pur et dur aujourd'hui, je suis à 52 minutes. Je suis pas à 2h30. C'est ça qu'il faut dire aussi. Mais c'est caché derrière la caméra, en fait. Je vous le montrerai peut-être la prochaine fois si j'y pense. Allez. Le petit déhanché, là. Hop là. Tac. Tac. Petit coup de fesse. Attention, ah et en plus, faut continuer à faire des abdos avec ça. Ramez vite des deux côtés pour qu'on ne se fasse pas emporter par le courant. Oh punaise, il y a la pièce, faut aller plus vite. Et le joueur con qui arrête pas de vibrer quoi. Allez, on a la pièce presque. Allez. Vous y êtes presque. Allez. Ah yes. Bravo. Ah, faut rester jambes tendues en plus. Moi, ouais, je suis en train de tricher en fait. Yes. Tranquillou, tranquillou. Vous ne devriez pas tarder à gagner. On vient de le gagner le niveau banane. Allez, le boss. Tu as traversé cette rivière. Je sais plus quel accent je lui ai donné lui au départ. Cela signifie que tu as récupéré ton troisième pouvoir. Je te poursuivrai jusqu'au bout du monde s'il le faut. T'es un vrai pot de colle, tu le sais ça. Mes mollets vont te faire passer l'envie de me suivre. Punaise. Bisous Sifren, à bientôt. Choisissez une technique pour attaquer. Banane. Ah mais il y a des tapis. Ils ont foutu les tapis. Mais c'est le... Flexion triomphale. On y va. Gardez les genoux légèrement pliés. Très bien. Fantastique. Ouais, c'est ça. Magnifique. Super. Bien. Bien. Super. Bravo. C'est bien. Magnifique. Joli. Superbe. Essayez de vous surpasser. Joli. Joli. Encore trois. C'est ça, une dernière fois. Joli. Parfait. Bouclier d'abdos. Expirez tout en contractant vos abdominaux. Moitié du cœur.
Ouais, le tir à l'arc. On y va. Ne baissez pas les épaules. Excellent. Formidable. Fantastique. Beau travail. Bon travail. Super. Bien joué. Continuez comme ça. Excellent. Excellent. Bravo. On accélère. Magnifique. Super. Une dernière fois. Bien. Même chose de l'autre côté. C'est parti. Exercez votre dos. Bien. Bravo. C'est bien. Beau travail. Génial. Joli. Parfait. Ouais, c'est ça. Très bien. Bien joué. Un peu plus vite. Super. Magnifique. Une dernière fois. Ok. Excellent. Bouclier d'abdos. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Ça continue. N'oubliez pas de rester hydraté. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Bien, encore un peu plus bas. Calquez votre vitesse sur celle du modèle. N'avancez pas le genou au-delà du talon. Vos mouvements sont un peu trop rapides. Oh, sérieux ? Bien joué ! Qu'est-ce qu'il fait ? Je le déteste. Je le déteste. Flexion triomphale. On y va. Inspirez en reprenant votre position. Fantastique. Génial. Bien joué. Excellent. Superbe. Bon travail. Formidable. C'est bien. Continuez comme ça. Joli. Super. Bravo. Excellent. Superbe. Passons à la vitesse supérieure. Bien joué. Tenez bon. Encore trois. Bravo. Bon travail. Une dernière fois. Bien. Impeccable. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. On y va. Ça fait travailler le haut des bras. Très bien. Très bien. Super. Fantastique. Joli. Bravo. Magnifique. Parfait. Ouais, c'est ça. Bien. Super. Fantastique. Essayez de vous surpasser. Bon travail. Continuez comme ça. Voilà. Une dernière fois. Ah punaise, pardon. C'est vrai que c'est une attaque de zone. Même chose de l'autre côté. On y va. Comme si vous vendiez un arc. Beau travail. Génial. Excellent. Super. Ouais, c'est ça. Joli. Joli. Bravo. Super. Fantastique. Bien joué. Bien. Bon travail. On accélère. Bien. Fantastique. Une dernière fois.
fois. Excellent. Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras. Ce n'est pas fini. Ne vous surmenez pas. Faites une pause si nécessaire. Pression de cuisse. C'est parti. Ne faites pas tomber le rington. Ouais, c'est ça. Continuez comme ça. Magnifique. C'est bien. Parfait. Bon travail. Excellent. Fantastique. Super. Superbe. Formidable. Bravo. Parfait. Très bien. Un peu plus vite. Excellent. C'est bien. Encore trois. Bon travail. Continuez comme ça. Une dernière fois. Ça. Choisissez une technique et bonne chance. Étirez la jambe gauche. Ah putain. Pliez le genou droit. Et amener le talon vers l'intérieur. Oh ! Ah oui ! Bon, je mets du meuble derrière, j'ai pas le choix. Penchez lentement vers la gauche. Bien ! Encore un peu plus bas. Le genou de la jambe tendue peut être un peu plié. Ah putain ! Ah. Encore un peu. Revenez lentement à la position de départ. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Bien, encore un peu plus bas. Bien, encore plus bas. Ne forcez pas quand vous écartez les jambes. Bon, ça m'a quand même rendu les cœurs, c'est bien. Levez-vous tranquillement. Bouclier d'abdos. Faut que je me relève. Pressez avec les jambes légèrement pliées. Ne baissez pas la garde. Maintenant, choisissez une technique. Ça, c'est 80 quand même. Flexion triomphale. On y va. Faites travailler votre dos. Bon travail. Super. Ouais, c'est ça. Excellent. Bien joué. Génial. Bravo. Fantastique. Bien. Superbe. Superbe. Formidable. Magnifique. Très bien. Super. Très bien. Passons à la vitesse supérieure. Bien. Superbe. Encore trois. Vous y êtes. Excellent. Une dernière fois. Ok.
Parfait. Oh non, il prépare une attaque puissante. Super bouclier d'abdos. Baissez votre bassin. Pressez le ringtone et gardez les jambes pliées. Ne vous surmenez pas, faites une pause si nécessaire. Bonne idée. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Contractez les abdominaux sans plier le bas du dos. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Ne forcez pas en levant les épaules. Bien. Bouclier d'abdos. Vos abdominaux plutôt que vos bras. Je l'ai raté. Non, je veux plus le genou au secours. Allez, le 80. Là, c'est la stratégie. C'est parti. Travaillez votre trou. Joli. Joli. Fantastique. Bravo! Beau travail! Excellent! C'est bien! Génial! Super! Très bien! Super! Ouais, c'est ça! Parfait! Bien joué! Joli! Joli. Très bien. Encore trois. Bien joué. Très bien. Une dernière fois. Bien. Impeccable. Continuez à presser. Ce n'est pas fini. Coriace, tenez bon. Pression de cuisse. Bébé. C'est parti. Faites travailler vos jambes. C'est bien. Formidable. Magnifique. Super. Excellent. Continuez comme ça. Bon travail. Bien. C'est fini. Yes. Fini. C'était pas de la tarte. C'est fini. Oh, le plein d'XP, le niveau 29, et j'ai pris 10 niveaux aujourd'hui, quelque chose comme ça. Ouais, une torsion de bras, génial, je vais me péter les bras. Levez les mains au-dessus de la tête et pivotez les bras. Ouais, je suis pas contorsionné non plus. Mais par contre, il y a une attaque à 90. Une attaque à 90.
Attendez. Ça, le jaune là, c'est une cible. Mais c'est 80. Le tir à l'arc, c'est plusieurs cibles, mais c'est 35. L'écuisseau, c'est une seule cible. Ça, c'est le heal. Une seule cible et une seule cible. Ça, c'est deux cibles. Enfin, c'est toutes les cibles, pardon, mais c'est 35. Ben là, c'est quand même. Ouais, je vais enlever le tir à l'arc, je pense. On va enlever le tir à l'arc. Au revoir, le tir à l'arc. Terminé! Abaissez votre bassin. Oh, punaise, enfin. Merci beaucoup les gens. Chocolatine. Oh, Draken, quand même. J'ai droit à ma chocolatine. Retire pas la rouge, c'est la seule AOE que tu as. Ben voilà, trop tard. Non, mais au fur et à mesure, il y a plein d'attaques qui arrivent. Il faut faire du tri de toute façon. Donc, après, je peux le rechanger si j'ai envie. C'est quoi cette courbe là? Oui, en effet, c'est complètement crédible. Punaise, oui, en effet. Très bien. Eh bien, il est possible que j'augmente un peu l'intensité la prochaine fois. Tu ne retiens pas tes coups, je ne suis pas sûr de faire le poids. Je vais avoir du mal à me défendre seul contre toi. Je savais qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je dois renforcer mes défenses. Agro, gros! On va passer à la séance d'étirement. Chapitre 4 est terminé. Il n'est pas de plus grand honneur que de rester la tête haute face aux plus puissants ennemis. Merci de nous avoir rappelé cette simple vérité à nous fiers peuple de Sport. Est-ce que vous avez tous bien vu? Le règne du dragon est terminé. Nous n'avons plus rien à craindre. Sport est la plus forte. Vous nous avez sauvés. Ah, ils ont enfin retrouvé leur fougue ancestrale. Et c'est grâce à vous, Jake. Merci d'avoir redonné sa fierté à notre royaume. Pour Jake, hip hip hip. Hurrah. Voilà. Jacques! Ah non, c'est Jake. C'est le soldat. Ah, dire qu'on avait droit à du poussin quand on est arrivé. En tout cas, le royaume a l'air d'être de nouveau sur pied, mais je n'arrive pas à me sortir de la tête les paroles Drago quand il a parlé de renforcer ses défenses. Ben, disons qu'il sera accompagné, quoi. Il sera pas tout seul. On ferait mieux de s'inquiéter pour le pays dans lequel Drago s'est enfui d'ailleurs. Mettons-nous à sa poursuite. Non. Ah, il me manque une quête. Drago contre les 4 maîtres. Waouh. Ben, la prochaine fois, on va galérer. Par contre, du coup, j'ai raté une quête. Arrêtez aujourd'hui et passez la phase de récupération. Oui. Oui, oui, on arrête là. Bon, bon, bah attendez. Vous avez bien profité de votre aventure aujourd'hui. Vous avez terminé le chapitre 4, félicitations. Les mollets de Drago n'ont pas suffi à vous décourager finalement. Ouais, mais mes mollets à moi, voilà quoi. Pour l'anecdote, saviez-vous que quand ils sont très développés, les mollets ont un peu la forme d'un diamant? Vous le dites. Mais pour l'heure, place à la détente. Passons à la phase de récupération. J'ai le droit de boire ou pas? Voyons les détails maintenant. Le sport d'aujourd'hui, attention, le stream, ça fait 2h53, mais en termes de sport, d'exercice physique pur et dur, c'est 1h03 et 43 secondes. Donc vous voyez, il y a quand même une différence. Néanmoins, 186 kilocalories dépensées. Distance totale courue 4 km 17, enfin 170 en vrai,
Ouais. Tout ça, c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Alors derrière la caméra, il y a écrit squat. Ça fait beaucoup de choses aujourd'hui quand même, en vrai. Beaucoup, beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de lectures aussi. Je lis vite fait au passage, je vais pas tout décortiquer. C'est pas mal. En vrai, c'est vraiment pas mal. Allez, quelle assiduité, continuez comme ça. Félicitations, vous avez effectué au moins 300 fois la technique tir à l'arc. Ce n'est pas un nombre facile à atteindre, j'admire votre ténacité. Et ce n'est pas tout. Vous avez effectué 400 fois la technique torsion de tronc. Vous donnez le meilleur de vous-même, continuez comme ça. De plus, 100 fois la technique posture du guerrier. J'adore ce truc. Posture du guerrier, enfin, je ne sais pas pourquoi j'adore cet exercice. Je suis caporal victorieux. Et bien d'autres choses, continuez sur votre lancée. Allez, go la séance d'échauffement. Bien, commençons. Vous n'aurez pas besoin du Rincon. Pensez à votre corps et ne vous étirez pas au-delà de vos limites. Placez la main gauche en avant et étirez vos doigts avec la main droite. Tendez le bras gauche en avant pour étirer le poignet gauche. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez tirer le bras vers vous pour l'étirer davantage. Revenez lentement. Levez les bras et attrapez votre coude. C'est nouveau ça. Étirez le haut du bras en tirant le coude vers le bas. Même chose de l'autre côté. Vous avez vu, vous mangez des noix, des noisettes. Tirez lentement sans bloquer votre respiration. Revenez lentement. Joignez les mains devant vous. Placez-vous comme pour vous asseoir et tirez les mains en avant. Revenez lentement. Avancez la jambe droite et posez les mains sur les hanches. Pliez le genou droit pour étirer le mollet de la jambe gauche. Mangez des légumes, c'est écrit. Changez de jambe. Déplacez votre poids vers l'avant et étirez l'autre côté. Revenez lentement. Écartez les jambes, posez les mains sur les genoux et abaissez le bassin. Faites pivoter l'épaule gauche vers l'intérieur pour étirer la hanche. Tournez-vous à nouveau vers l'avant. À présent, étirez votre hanche droite. Genoux et orteils doivent pointer vers l'extérieur. Revenez lentement. La séance d'étirement est terminée. C'est l'heure de la boisson. Encore une fois, je vais tomber la gourde d'eau en entier. Bien. Ah. Un peu de blabla. Faites des repas équilibrés et nourrissants. Consultez votre médecin si vous avez des questions concernant votre alimentation. Ce qui nous amène à notre thème du jour. Parlez-moi des fruits et des légumes. Ils peuvent vous fournir de nombreux nutriments. On trouve beaucoup de vitamines et de minéraux essentiels.
essentiels et de minéraux essentiels dans les fruits et légumes. En revanche, certains nutriments sont plus rares ou plus difficiles à trouver dans les aliments végétaux. Il s'agit notamment des protéines, du fer, du calcium, du zinc et de la vitamine B12. Assurez-vous de manger varié et équilibré et consultez un médecin si vous avez des questions concernant votre alimentation. Non, pas d'alerte, s'il vous plaît. Je le fais ça c'est sur les streams, donc je sais quand c'est fait à faire. Et je vois qu'on s'en branche. Voilà pour cette session de Ring Fit Adventure. Je suis encore un peu essoufflé, mais moins que la dernière fois quand même. Donc je sens en vrai, pour de vrai, qu'il y a une différence en termes d'endurance. Donc c'est que du positif. Je vous conseille de faire de l'exercice physique, vraiment, pour vous. Sur Ring Fit ou ailleurs. Hein. Moi, j'ai choisi Ring Fit parce que je pense que c'est plus adapté pour moi. Et c'est une question de motivation derrière. Mais c'est vraiment sympa. Donc, si vous ne connaissez pas, lancez-vous, clairement. Et c'est pas du sponso, et j'aurais bien aimé, en vrai. Lancez-vous. C'est super intéressant. Il y aura d'autres Ring Fit, bien entendu. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ivasound Studio, c'est encore une fois, je le répète, mais c'est une association. On fait du gaming. Il y a beaucoup de gaming. Il y a un peu de radio. On fait d'autres choses à côté. Et il y a de la sensibilisation, de manière générale, sur plein de sujets. Et le Ring Fit, c'est la santé physique des gamers. Et je suis gamer, je ne suis pas sportif, mais j'essaie de prendre soin de moi comme je peux. Et Ring Fit Adventure, c'est une sacrée découverte. Je le répéterai encore et tout autant qu'il faudra. Les plannings de la semaine prochaine sont disponibles. Demain, lundi après-midi, il y a Yakipon qui fera du Skull The Hero Slayer. C'est un jeu indépendant type roguelike, très sympa. Demain soir, ça sera Draken sur Rayman Origins. On ne présente pas le jeu, vous voyez ce que c'est. Mais c'est super chouette. Moi, j'adore les Rayman. Mardi soir, on est sur du jeu de société. Ça sera moi, Ando, et si d'autres veulent se joindre, joignez-vous. Mais il faut posséder le jeu. Par contre, on sera sur les aventuriers du rail. Ticket to Ride sur Steam. Et on sera sur la carte Europe. Donc en plus, il faut le DLC. Je vous retrouve pour ma part donc mardi soir, mais surtout mercredi après-midi. Avec une nouvelle session de Ring Fit Adventure, mercredi après-midi, j'ai bien dit mercredi après-midi pour Ring Fit, suivi d'une petite session de Mario Golf, parce qu'il y a eu une mise à jour avec des nouveaux personnages, des nouveaux parcours. Et enfin, vendredi soir, Draken de nouveau sur Rayman Origins. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Il est possible et fort probable que d'autres choses hors planning arrivent en stream la semaine prochaine, un peu presque à l'improviste, voilà, selon les envies et les humeurs. Non, pas moi, hélas, faut qu'on en discute dans ce cas. Voilà, passez une bonne fin de dimanche, un bon début de soirée, une agréable semaine à vous pour la semaine qui arrive. Voilà, suivez-nous sur les réseaux, vous connaissez la chanson. Cordialement, bisous!